Rebonjour les amis, nouveau tuto, rapide, express, mais toujours aussi professionnel. Aujourd'hui, tuto sur la peinture caméléon. Et là, j'ai choisi le bleu, vert, violet, pour vous dire, tout un programme. Donc, on va utiliser l'aérographe. On va peindre toute la partie du logo avec la peinture thermique. Bon, regardez, vous avez vu, ça redevient noir. Ah, j'adore. À savoir que le caméléon s'utilise sur une base de noir. Et là, vous me dites, il n'y a pas de noir. Ici, c'est le noir thermique. Donc en fait, toute cette partie est de base noire. Mais comme la température fait changer la couleur, ne vous inquiétez pas, l'effet va être terrible. Donc là, je vais utiliser la caméléon. Pareil que tout à l'heure, l'aérographe, compresseur, etc. etc. A tout de suite. Donc là, aérographe, la peinture caméléon, qui est normalement assez liquide, mais au cas où, n'hésitez pas à mettre vraiment quelques gouttes au fond de l'aérographe dans le petit récipient. Hop là, je fais ça. Il me faut mon petit truc pour mélanger. On va d'abord voir si le jet sort correctement sur le scotch. Donc là, une fois que vous avez mis la peinture dans votre aérographe, n'hésitez pas à faire des petits tests sur le scotch. Une fois que vous êtes sûr du jet, vous commencez à peindre. Des fois, quand vous avez votre peinture qui sort pas, il ne faut pas hésiter à surtout dévisser l'aérographe et sortir l'aiguille et faire des petits va-et-vient. Après, vous remettez ça. La peinture caméléon est un peu plus fraîche que la thermique. Le noir apparaît direct. Voilà l'effet. Là, on va mettre un petit coup de sèche-cheveux. Comme vous pouvez le constater, la caméléon a complètement disparu parce qu'elle a été mélangée à la thermique. Donc là, je vais remettre une seconde couche. Et là, instantanément, la caméléon réapparaît. Voilà l'effet de la caméléon bleu, vert, violet. Je valide fort. Franchement, c'est top. Petit résumé de fin de tuto sur mon ressenti sur la caméléon que je connaissais pas. Honnêtement, je suis plutôt super fan. Je pense que la caméléon, je vais l'utiliser dans pas longtemps. Sachant qu'il y a pas mal de couleurs différentes dans cette gamme-là. Et petit kiff de fin. J'adore de ouf. Et comme d'habitude, les amis, si vous avez des questions sur le process, sur la caméléon, sur la thermique, commentez. Sneakart vous répondra le plus rapidement possible. Et surtout, n'oubliez pas, likez et follow.